Salut à tous, c'est GH501 pour une petite vidéo sur The Crew, donc un troisième je visite l'intérieur. Et aujourd'hui on va pas visiter une voiture qu'on voit tous les jours, c'est la Lotus Exige S de 2013. Donc voilà, donc vite fait comme ça en première personne. Donc je vais mettre le mode photo, donc attendez, je vais mettre vite fait le jour. On va mettre le beau temps. Et voilà, donc alors... Donc c'est une petite sportive très sympa, franchement moi j'aime bien les Lotus. Alors franchement ce modèle c'est une version sport hein, directement. Donc ici on a un petit carbone, alors là on a les compteurs qui sont bien faits dans le jeu. Le volant ça va, je le trouve assez sympa, par contre les rétros moi perso j'aime pas trop. Le toit ça a l'air d'être d'une matière, je sais plus comment ça s'appelle, le daim, un truc comme ça. Moi personnellement j'aime pas trop mais bon. Donc là vous avez du carbone, ici du daim je pense, un peu de cuir, les petits trucs. Et donc ici c'est trop basique, ouais il y a juste le chauffage là et les trucs de la radio, c'est tout. Ah ouais chaud. Donc après ici on a le clignoton, le truc du chauffage. Alors là, ah 6 vitesses, le frein à main, est-ce qu'elle a des places à l'arrière? Non. Le fauteuil en cuir, ouais ça va il est stylé, écrit Exige. Ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs sur cette voiture à présenter, mais voilà. Le rétro, il est simple. Après, il y a quoi? Ouais. Alors, ici, il y a les petits trucs. Là, il y a peut-être des petits boutons. Sport, tour, course. Ouais, ici, les trucs des lampes. Ici, on a les trucs des fenêtres. C'est peut-être ça, je sais pas. Ouais. Donc là, il y a la ceinture. Ça, le petit truc pour fermer la voiture. Et cette voiture se démarre à clé, bien sûr. Donc bah voilà, je pense qu'on a presque fini la vidéo. Alors vite fait le moteur qui est bien fait, Lotus Performance. Je sais pas ça a un V combien. Oh, c'est galère pour se déplacer. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Caution. Il y a du chinois non? Ah je sais pas. Enzyme, colon. Ouais. Donc voilà, c'est déjà fini. Franchement c'est très rapide. Mais de l'extérieur c'est une très belle voiture, franchement que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si vous vous l'aimez, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'était assez rapide. Pour une autre voiture, je prendrais normalement un truc complexe, un truc où il y a beaucoup plus de trucs. Donc voilà. Donc moi je vous dis, likez, commentez, partagez, et moi je vous dis, allez salut!